Alors, du coup, ce que je trouve sympathique dans le tricot par rapport à l'autonomie, c'est qu'en fait, vous valorisez du temps perdu. Donc, le temps perdu, c'est le temps en fait où vous auriez, par trop de fatigue, glandouillé. C'est-à-dire, pour ceux qui ont une télé, regarder une télé. Moi, j'ai pas de télé, mais par contre, traîner sur l'ordinateur à regarder des vidéos ou des choses comme ça. Voilà, c'est ou aller sur les réseaux sociaux, c'est ce que je fais clairement le soir quand je rentre du travail. On fait ce qu'on a à faire, et puis après, vers 21h, je commence à rien faire. C'est exactement à ces moments-là que c'est intéressant de tricoter en fait. C'est valoriser des moments où vous faites rien. Donc, moi, c'est plutôt pour l'hiver parce que tout ce qui est été-automne, je profite de ce moment-là pour faire des petites tâches de transformation pas trop compliquées, du style. Les haricots, vous voyez, les machins comme ça, quoi. Des trucs dépiautés, casser des noix, des machins comme ça, vous voyez, tout ce genre d'activités, écosser, enlever la peau des châtaignes, etc. Tous ces genres de petites activités qui demandent pas à réfléchir, le tricot, c'est exactement ça. Alors, quand vous faites des grands tricots comme ça, hein, parce que la chaussette, par contre, autant. Pour faire cette partie-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de grande concentration. Par contre, le talon et tout, là, par contre, faut se concentrer. Mais sinon, globalement, ça, c'est des choses que vous faites un petit peu machinalement, qui demandent pas trop d'efforts cérébraux. Donc, quand vous êtes fatigué, c'est sympa. Quand vous êtes à un endroit aussi, genre les salles d'attente et tout, là, vous gagnez du temps. En fait, vous évitez de perdre complètement votre temps en faisant ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, vous avez des vêtements et des vêtements chauds. Parce que un pull en vraie laine, ça coûte très très cher. Hein. Si vous regardez des vrais pulls de qualité, c'est au moins, c'est plus de 100 et quelques euros le pull. Alors, est-ce que c'est vraiment rentable de faire son pull? Non, faut pas du tout calculer au terme horaire, parce que bien sûr que ça prend énormément de temps de tricoter. Mais il faut se dire que c'est pendant un temps perdu où vous auriez perdu votre temps, justement. C'est pour ça. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Si vous le faites sur une journée, par exemple, où vous auriez fait une autre activité à la place productive, bien entendu, faire du tricot n'est pas rentable. Et la laine coûte très cher aussi. C'est pour ça que je vous conseille quand même de prendre le maximum de laine que vous pouvez d'occasion. Cette laine-là, je l'ai achetée neuve, par contre, parce qu'elle était en solde. Les pelotes étaient à 2 euros et quelques, donc ça allait. Mais même 2 euros et quelques, il vous faut une quinzaine de pelotes, ça vous fait minimum 30 euros le pull. Donc c'est quand même un investissement. Mais par contre, vous avez vraiment un bon produit. L'avantage aussi, c'est qu'il vous reste toujours en général un peu de fil de pelote. Et si vous faites un trou ici, vous êtes capable de le raccommoder et que ce soit invisible en fait. Alors que si c'est un pull acheté dans le commerce, vous allez difficilement trouver exactement la même laine. Et puis, c'est pas forcément un point que vous sauriez faire. Donc, le fait de faire vous-même, et bien après, en fait, votre pull, il est normalement, il est fait pour durer pour toujours, quoi. Sauf si vous le faites miter et qu'il y a des trous vraiment partout. Mais sinon, globalement, ça va être un vêtement qui va être durable et surtout c'est très très chaud là, ça a pas de la laine, c'est super bien quoi pour l'autonomie, pour l'hiver, pour vous tenir chaud. Moi, les grosses erreurs que j'ai fait les premières années, alors je suis désolée hein, cette vidéo c'est n'importe quoi hein, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Là, c'est une vidéo comme ça juste ce soir, parce que j'ai envie de vous parler, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà. Mais donc moi, les autres années, j'étais pétrifiée l'hiver, j'étais bloquée, je disais que j'étais en hibernation, j'étais pétrifiée de froid. Et en fait, depuis que je mets vraiment des vêtements chauds, donc c'est-à-dire je mets des pulls en laine, sinon tout ce qui est sous-vêtements et tout, j'ai pris chez Uniqlo toute la gamme high-tech, là, c'est des tissus exprès en fait qui sont vraiment très très chauds. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie parce que je suis beaucoup plus active l'hiver en fait. Je suis active comme l'été, je suis suractive comme en été. Alors que sinon, je passais mon temps allongée, j'étais pas bien, j'étais frigorifiée, j'étais allongée, enroulée dans le plaid et je pouvais rien faire d'autre quoi. Et je me retrouvais à faire des siestes le midi et le soir en rentrant du travail tellement j'étais épuisée. Et là, c'est pas du tout le cas depuis. Et alors, je pense que c'est juste à cause des vêtements, hein, parce que du coup, le fait d'avoir chaud, vous n'êtes pas en mode économie d'énergie, en mode larvaire, quoi. Donc, vraiment, vêtements chauds, utiles. Alors, ça paraît évident, mais c'est un automatisme que je n'avais pas. Et là, ça a vraiment changé ma vie, je vous le dis. Donc, si vous êtes du genre pétrifié de froid, déjà, regardez du point de vue habit. Maintenant, il y a des matériaux qui font à Decathlon et même Uniqlo qui sont conçus en fait pour justement bien garder la chaleur de votre corps. C'est très très important ça.
même si c'est pas forcément rentable en termes de temps ou en termes de prix de la laine, vous avez un truc que vous avez fait vous-même et c'est ultra satisfaisant. Franchement, si vous faites un pull ou une petite veste à vos enfants, le fait de se dire « Oh, la petite veste qu'il a, c'est moi qui l'ai fait », ou vous offrez un truc à votre père, à votre maman, à votre mari, c'est franchement un super cadeau parce que ça veut dire que vous avez passé du temps à le faire, quoi. Abdel, il m'a dit « Oh, c'est trop triste, tu travailles comme un petit chinois pour me faire mon pull et tout. » Mais en fait, c'est ça. Oui, vous passez du temps sur un produit, donc c'est pas juste un vêtement que vous produisez à la fin. C'est de l'amour que vous donnez à une personne, en fait, du temps que vous lui consacrez. Donc, ça n'a rien à voir avec acheter un pull, je vous assure. Ça fait trop plaisir. Quand j'ai fait le snood à Abdel, ben, rien que ça, il était super content. C'est vraiment très très satisfaisant en soi quand vous finissez le truc et que ensuite vous le portez et que vous dites bah, c'est moi qui l'ai fait. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai appris en un mois. Alors c'est pas vraiment pour faire un tuto, quoique si un petit peu, parce que du coup je me dis que comme je suis débutante, bah, je connais les erreurs que les débutants vont faire puisque je les ai faites il y a vraiment quelques jours ou quelques mois ou même peut-être aujourd'hui. Et en plus, je fais encore des mouvements qui sont lents. Et je pense du coup que pour décomposer les mouvements pour des débutants, c'est plus simple que quelqu'un qui va faire le truc très rapidement et instinctivement. Donc là, je vais vous montrer, je vais faire un échantillon. Donc un échantillon, qu'est-ce que c'est ? Avant de se lancer, par exemple, dans un pull, comme il y a beaucoup, beaucoup de tricot en quantité et du coup, beaucoup d'heures de travail, vous n'allez pas vous y lancer tête baissée au pif. Donc on va déjà faire un petit échantillon d'un certain nombre de mailles. Donc moi, par exemple, je vais faire 16 mailles parce que c'est ce qui est recommandé pour 10 cm à peu près avec cette laine. Donc là, cette aiguille, c'est du 4,5. Normalement, ce qui est recommandé, c'est du 7 ou du 8 avec cette laine. Mais là, je vais essayer pour voir si j'ai un point plus précis. Comme vous êtes débutant, bah, vous allez tester plein de choses pour voir ce qui vous plaît, ce qui est possible de faire et quelles sont les limites aussi. Parce que des fois, il y a des choses qui sont conseillées pour certaines raisons. Et en fait, autre chose va quand même fonctionner, c'est juste que le rendu sera différent. Donc là, on va d'abord faire ce petit échantillon. Donc ça va faire un petit carré. Et ensuite, on va venir le mesurer par rapport à notre taille à nous ou à la personne à qui vous voulez faire votre pull. Et ensuite, vous allez multiplier par... Enfin, diviser par le nombre de mailles que vous avez fait. Et ensuite, avec un produit en croix, vous trouverez le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre pull. Donc, je vais vous montrer en faisant ce petit carré comment je fais pour monter les mailles. Alors, c'est dommage parce que j'ai pas de trépied, je vous ai mis sur une pile de livres. Pour monter vos mailles, prenez le temps de prendre un grand fil qui dépasse. Parce que souvent, moi, j'ai souvent fait l'erreur là ces derniers temps. Je commence à monter mes mailles et je me rends compte en fait que pour le nombre de mailles que je veux, j'ai plus assez de petits fils comme ça. Donc au départ, n'hésitez pas à prendre beaucoup d'avance, quitte à en gaspiller un tout petit peu de laine, quoi. Vu que vous testez et que c'est vos débuts, tentez quand même. Et normalement, il faut prendre à environ 4 fois la longueur que vous voulez. Donc moi, en gros, je veux un carré qui fait 10 cm de large. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne ça 4 fois. Et je vais en prendre un peu plus parce qu'on ne sait jamais, vu que des fois, je ne suis pas très douée. Voilà. Donc celui-là, je vais l'appeler le petit chef. Je ne sais pas comment il s'appelle en tricot. Ça, c'est le petit chef. Et ça, c'est le grand chef. Nous... quand on fait de la couture en chirurgie, on appelle ça le petit chef et le grand chef. Donc là, pour faire votre première maille. Alors, vous pouvez faire un petit nœud autour. Moi, en fait, je fais comme si je commençais et le truc, il ne va pas être bien serré. Donc, ça me fait comme ça. Mais ne copiez pas sur moi, faites un petit nœud. Donc ensuite, je vais faire ma deuxième pour que ce soit bien serré. Et je vous montre à partir de là. Donc vous, vous avez fait un petit nœud là. Donc vous retrouvez avec votre petit chef à droite et votre pelote à gauche. Vous voyez, ma pelote, c'est ce fil-là. Donc là, je viens passer mon pouce dessous comme ça. Je le prends là qui dépasse. D'accord ? Je viens piquer ici. Vous voyez, ce fil-là, il est coincé dans mes petits doigts. Et là, je pique ici. Je fais un tour autour. Je passe cette boucle-là. Et je tire. Et voilà. Là, j'ai fait ma maille. Je recommence. Hop. Voilà. Je vais en faire quelques-unes rapidement pour que vous voyez un petit peu le mouvement. Et ensuite, je vais en refaire une en décomposant le mouvement. N'hésitez pas à mettre sur pause.
Moi, quand je regarde des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube, j'ai fait tout avec des vidéos, hein. Donc comme quoi, c'est vraiment possible. Je regarde la vidéo, je mets sur pause, je reviens en arrière, des fois je mets en vitesse lente, j'essaye de bien décomposer le mouvement. Donc là, on va redécomposer le mouvement plus lentement. Je fais une boucle avec mon pouce. Je tiens le fil avec mes petits doigts derrière. C'est important que le fil il soit derrière à ce moment-là. Hein. Donc vous faites exactement le même mouvement. Ensuite là, avec cette aiguille, je pique là. Je fais le tour. Et la boucle, je la repasse là. Et je tire. Alors, je vais essayer de vous mettre en grossissement 1. Voilà, pour que ce soit plus net. Je fais la boucle autour de mon pouce. Je viens piquer là. Je passe là, je passe la boucle et je tire. Voilà. Donc là, je monte mes 16 mailles et on se retrouve après. Il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer. Hein. C'est pas compliqué. Vous voyez, moi, j'ai commencé en décembre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut oser. Au pire, vous perdez une pelote de laine et une paire d'aiguilles. C'est rien du tout. Hein. Donc, hop. Il faut que vous vous lanciez. N'hésitez pas à aller voir en brocante, en ressourcerie, si vous trouvez des lots d'aiguilles. Même sur le Bon Coin, là, j'ai pris un lot d'aiguilles. J'ai une trentaine d'aiguilles pour 20 euros. Donc, c'est pas cher, quoi. Hop. Et les pelotes, pareil, vous en trouvez en brocante, des pas très très chers. Donc là, vous comptez bien vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai fait deux de trop en parlant. Hop. Je les défais pour les défaire. Quick. Et quick. Là, maintenant, je vais vous apprendre le point mousse. C'est le plus simple. Vous allez commencer par ça. On va commencer par le plus simple, quand même. Donc là, on va faire notre petit point mousse. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien les différentes mailles. Donc, première maille. Je pique. Là, attention, petite subtilité pour les noobs comme moi. Ici, vous avez votre petit chef, là, le petit fil qui est court. Faites attention de ne pas le prendre. Ça, c'est super évident pour celles qui savent tricoter. Mais moi, j'ai déjà commencé à tricoter avec celui-là. Donc, ne vous faites pas avoir. Celui-là, vous le mettez loin de vous et vous ne le prenez pas. Donc, je prends mon grand chef, celui qui est relié à la pelote, qui est illimité, voyez. Et là, je vais venir faire le tour de l'aiguille. Et là, je passe dedans et hop, ma maille est faite. Je fais pareil là. Donc là, vous resserrez un petit peu. Vous tirez sur l'autre. Hop, hop. Parce que ça le défait, mais c'est parce que c'est le premier. Après, vous verrez, ça va. Vous tirez juste sur celui-là si là, c'est trop lâche. Donc, je recommence. Je passe derrière. Et là, je passe là. Vous voyez ? Hop. Et tac. Elle est faite. Là, pareil. Je viens vous piquer derrière, sur la gauche de la maille que vous êtes en train de faire. Là, vous prenez votre fil. Hop. Il est fait. Là, pareil, vous prenez ici, tac, là, vous faites le tour, et hop, et vous faites ça jusqu'au bout. Ça s'appelle le point mousse. Et donc là, vous allez faire un certain motif, vous allez pouvoir vous faire une écharpe. Elle sera basique, mais vous pouvez tout à fait faire votre vêtement en point mousse, il n'y a aucun souci. Après, toutes les autres variantes, on va dire que c'est pour l'esthétisme. Donc, si pour l'autonomie, vous voulez une écharpe ou un pull, le point mousse, ça ira très bien. Hop. Donc là, je ne vais peut-être pas vous montrer le point en vert tout de suite, parce que là, je veux faire du point mousse glissé pour mon échantillon. Donc, quand vous êtes débutant, c'est normal que ce soit serré parce que vous êtes tendu, vous êtes stressé, vous ne savez pas encore ce que vous devez faire. Donc, du coup, vous tirez trop et c'est dur, en fait. Plus vous serrez, moins ça glisse bien sur l'aiguille et donc plus ça va être compliqué pour vous. Donc, il faut essayer de se détendre, de donner du lest, en fait, à ces mailles. Donc, c'est normal si au début, vous sentez que c'est serré. Les rangs suivants, ça va être de mieux en mieux. Le premier rang est toujours plus serré et en plus, comme vous êtes débutant, bah, c'est encore plus serré. Donc, paniquez pas, c'est pas grave, c'est normal. Et ensuite, pour faire le rang suivant, bah, là, vous voyez, on peut pas continuer. Donc, on va tourner notre ouvrage. Et on va redémarrer à cet endroit. Donc là, moi, je vais encore vous montrer un rang, puisque moi, il me faut deux rangs mousse pour faire ce que je veux. Donc là, vous revenez piquer, toujours de ce côté-là. Et hop, c'est reparti dans l'autre sens.
Si vous voulez faire des petits V, c'est ce qu'on appelle le point jersey. Il faut faire en fait un point envers. Et ça, je vais vous le montrer au rang suivant. Hop. Je finis ça. Comme ça, ça vous permet d'avoir un visuel en plus pour le point mousse. Mais déjà, faites ça. Franchement, faites-vous une écharpe en point mousse. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça va vous faire un peu travailler les mains et vous faire apprendre. Ça, ça prend vite parce que vous voyez que c'est toujours le même geste, en fait. Donc, il faut pas se décourager. Au départ, ce que vous risquez de faire, en fait, vous allez tenir tellement vos aiguilles et vous allez être tellement tendu comme ça, là. Vous risquez de mal piquer et de faire tomber une maille. C'est pas grave. Une maille, ça se rattrape. Sauf si vous l'oubliez. Moi, ça m'arrive. Là, je suis en train de faire un pull à Abdel et j'ai fait tomber une maille. Enfin non, j'ai pas tricoté une maille et ça a fait un truc tout bizarre. Mais ça, je le rattraperai plus tard. C'est quand on fait tomber une maille que c'est plus compliqué. Mais ça, vous vous entraînerez en fait. Il faut que vous regardiez toutes les vidéos YouTube en question et vous verrez que tout s'apprend et que vous allez vite progresser. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais vous montrer vite fait le point envers. Donc déjà, son fil, il ne doit pas être derrière comme c'est le cas pour le point mousse. Il doit être devant. Donc, vous le passez devant. Et là, vous allez venir avec votre aiguille à l'envers. Vous voyez, tout à l'heure, quand on était en point mousse, on piquait là. Et bien là, maintenant, on va piquer ici. Hop. Je vous mets en 1. Voilà. Je vous refais le mouvement. En point mousse, on pique là. En point envers... On pique là. Je pique là avec mon fil qui est devant. Et je viens faire le tour comme tout à l'heure. Hop, je tire un peu pour pas... Là, il faut que vous tiriez un petit peu parce que sinon, moi, je trouve que ça glisse. Et là, je ressors. Et j'ai mon point qui est à l'envers. Et là, après, une fois que vous avez fait votre premier point à l'envers, votre fil, il est devant. Donc là, ça va. Donc, vous voyez, là, je suis en train de tester un nouveau point. Donc ça, c'est le point mousse à maille glissée. C'est enfin j'ai encore jamais rien fait avec. Donc j'ai essayé pour m'entraîner sur une autre petite laine plus fine où on voit mieux les détails. Bon là en plus vous n'avez pas de chance parce que à la caméra ça ressort très foncé. Là vous voyez la laine noire alors qu'en fait elle est verte sapin. Mais en gros ici ça fait des motifs, ça fait comme des petites boules, des petits carrés. Enfin je sais pas comment vous l'expliquer. Je trouve qu'en vrai ça se voit beaucoup mieux là vous... Vous voyez, pour m'entraîner, j'ai commencé d'abord sur ça. J'aurais trop dû vous montrer en fait le tuto là-dessus. On voit mieux le fil que quand c'est noir. Donc là, en fait, c'est le même point. Exactement le même point. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait comme des petites boules, des petites étoiles. Et ça, je trouve que c'est un motif qui est très mignon. Vraiment très mignon. Et il est facile à faire. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. En fait, c'est deux rangs point mousse. Et ensuite, vous faites le troisième rang avec une maille en droit, enfin comme si vous faites votre point mousse. Ensuite, vous glissez celle-ci, mousse, glissez. Et ensuite, la subtilité, c'est pour votre quatrième rang. Il y a un petit jeu pour la maille glissée où il faut passer d'abord le fil devant et ensuite derrière. Mais c'est très, très simple, hein. Franchement... Même pour les débutants, hein, je vous dis. C'est les seuls trucs que je sais faire. Moi, et donc, il faut se faire confiance. Il faut aussi accepter de réessayer plein de fois et de faire des erreurs. Vous allez faire tomber des mailles, c'est sûr. Vous allez des fois en tricoter deux ensemble sans faire exprès. Vous allez faire tomber des mailles, c'est sûr. Ou vous allez ne pas en tricoter. Vous allez vous perdre dans vos rangs. Donc, il y a plein d'erreurs, mais il faut garder espoir. Il y a plein d'erreurs, mais il faut persister, quoi. Alors, les petites subtilités auxquelles on ne saisit pas bien, en fait, quand on est débutant. Alors, il y a la notion de nombre de mailles pair ou impair. Il y a certains points, comme par exemple, quand vous voulez faire des mailles côtelées. C'est le cas, par exemple, quand vous allez faire le début d'un ouvrage. Le début d'un snood, le début d'une écharpe, le début d'un pull. Moi, au départ, j'avais fait que point mousse
Alors ça va se faire, hein, mais ça risque de s'enrouler. Et du coup, c'est pas très joli, ça fait pas très vêtement professionnel. Enfin, ça fait pas vêtement propre, quoi. Ça fait moins pro que si vous aviez acheté votre vêtement dans un magasin. Donc si vous voulez que ça fasse vraiment un truc bien, il faut que vous démarriez en point côtelé. Donc pour faire un point côtelé, vous faites soit une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, soit deux mailles en droit, deux mailles envers. Ça dépend la largeur des côtes que vous voulez faire. Je vais vous montrer sur le pull d'Abdel et le pull que je suis en train de faire pour moi, les deux types. J'ai fait 2-2. Et là, c'est 1-1. Vous voyez, c'est pas le même effet. En fait, il faut bien comprendre que quand vous allez mélanger vos points droits, points envers, c'est là que ça va donner vos motifs, en fait. Donc, voilà, là, vous choisissez en gros ce que vous voulez. Et c'est ça, en fait. Côtelé, c'est quand ça fait des bandes comme ça. Et ça, ça va permettre à votre ouvrage que ça se tienne et que ça s'enroule pas. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai fait le snood que je vous avais montré en décembre. Mais c'était le premier que je faisais. Donc, voilà, je savais pas que ça allait s'enrouler. Mais c'est qu'en faisant l'erreur et en constatant de vous-même que vous allez progresser. Donc, moi, je vous conseille directement de commencer à apprendre à faire le point endroit et le point envers. Comme ça, vous allez pouvoir directement faire comme il faut vos ouvrages. Donc là, l'eau sur Discord m'a dit que selon le type de laine, vous avez besoin de faire plus ou moins haut en termes de côte. Ça, je ne savais pas, j'ai fait au pif et il se trouve que ça se tient. Mais faites attention de ne pas faire trop peu de rangs, sinon ça pourrait s'enrouler. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme erreur que j'ai pu faire ? Ou comme chose à comprendre. Oui, donc du coup, pour faire ce genre de choses, il faut que vous ayez un nombre de mailles paires. Parce que si vous faites un pair, quand vous allez repartir de l'autre côté, tout va être en décalé et du coup, votre motif ne va pas du tout se faire. Et par exemple, là, ce petit point que j'ai fait là tout à l'heure, là, il faut que vous soyez impair. Donc ça, il faut que vous regardiez, en fait, le point que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'ils conseillent, en fait? Le nombre de mailles, ils vont vous le dire si c'est pair ou impair. Pour chaque chose, en fait, il y a un nombre de mailles précis. Après, moi, je me lasse vite des choses. Donc, j'aime bien commencer plusieurs choses à la fois. Parce que sinon, ça m'ennuie, en fait. Donc là, je suis sur plusieurs ouvrages à la fois. Je vais vous montrer maintenant aussi... autre chose que j'ai découvert sur Discord et que je ne connaissais pas avant, ce sont les aiguilles circulaires. Donc avec cette aiguille circulaire, je vais pouvoir aussi vous montrer une erreur que j'ai faite. Donc là, je suis en train de faire ma deuxième chaussette. Je vous ai déjà montré la première. Celle-là, j'ai mise de côté. Vous savez, avec la peau de serre, j'ai chopé un truc sur ce doigt. Et en fait, à chaque fois, je guéris et ça revient. Donc là, je suis toujours pas sortie d'affaire, c'est en train de revenir. Donc c'est très compliqué sur les petites aiguilles circulaires comme ça, parce qu'il faut vachement serrer. Et donc pour moi, ça me faisait mal, j'arrivais pas. Donc du coup, la chaussette, j'ai mis en pause. Je le reprendrai quand je serai complètement guérie. J'ai préféré faire avec des grosses aiguilles où c'est plus ses doigts qui travaillent et celui-là pas trop. Parce que là, j'étais trop tendue comme ça sur mes doigts. Ils étaient tout contractés et du coup, ça me faisait mal. Donc là, vous voyez, ça, c'est des aiguilles circulaires. Alors, je vais vous le tirer un peu pour vous montrer. Vous voyez, vous avez deux embouts métalliques et ensuite, c'est un câble. Donc, ça permet de faire directement en un rond plutôt que d'avoir quatre aiguilles. Parce que vous tapez sur Internet, pour faire des chaussettes, normalement, il faut quatre aiguilles. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa pour un débutant. Je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je vous ai montré pour la maille envers, c'est pas très facile le geste, en fait. Quand vous débutez, c'est pas un geste qui est instinctif. Et donc, du coup, je trouve que j'avais vraiment du mal à le faire et j'étais très, très lente pour le faire. Donc, pour les mailles côtelées, vous êtes obligés. Mais l'avantage, c'est que là, vous voyez, ici, là, c'est exactement le même motif. Attendez. Voilà, regardez, ce petit motif et celui-là, c'est exactement le même. Alors que, ici, j'ai fait que du point mousse. Mais comme, en fait, on est sur une aiguille circulaire, on redémarre tout le temps du même côté. Alors que là, on change de côté. Là, je suis en train de vous embrouiller parce que je suis en train de faire des abus de langage sur des trucs que je mélange. Donc, je recommence. Oubliez ce que je viens de dire. Quand vous faites une maille, un point à l'endroit, ça s'appelle le point mousse quand vous en faites plein à la suite et ça donne ce motif. Si vous faites un point envers et un point droit, un point droit, un point envers, etc., etc., vous allez obtenir ces petits V. Ça s'appelle la maille jersey. Et donc ça, c'est sur des aiguilles normales. Mais sur aiguille circulaire, quand vous allez faire un point endroit, un point endroit, un point endroit, tout le temps votre point endroit, vous auriez eu là-dessus
un point mousse. Et en fait, là, ça donne directement un point jersey. Voilà. Donc, si vous aimez pas du tout le point mousse, qui est ce point-là, et que vous trouvez que ça fait un peu neuneux, quoi, enfin que ça fait pas beau, eh ben vous pouvez faire votre petit point jersey avec les aiguilles circulaires facilement, alors même que vous débutez et que vous maîtrisez pas encore le point en vert. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors maintenant, une erreur que j'ai fait sur cette chaussette, et en plus, je l'ai pas fait sur la première, donc ça fait trop bizarre. Mais c'est pas grave, hein, franchement, personne va regarder ça. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai oublié en cours de route où j'en étais. Et donc, au lieu de faire deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert, il y a un endroit où je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai décalé. Et donc, comme j'ai décalé, vous voyez qu'au lieu que ça me fasse un trait tout droit, comme ici, par exemple, eh ben ça me l'a décalé. Donc là, le plan, il est en face du vide. Le plan là, en face du vide. Ça fait un autre petit motif, hein, c'est sympa. Ça aurait pu être fait exprès. Mais ce n'était pas fait exprès, c'est une erreur. Voilà. Donc ça, vous allez en faire des petites erreurs comme ça, mais c'est pas grave, faut pas se décourager. Donc voilà, donc la chaussette, celle-là, elle est à moitié, elle reste presque finie. J'aurais fini ma paire. J'attends juste de guérir un petit peu. Ça, c'est le pull d'Abdel. Il est monté que d'un côté. Et en même temps, je fais le mien. Et ma grand-mère aussi, elle travaille aussi sur celui-là parce que elle aime bien, ça la détend et ça lui fait travailler ses mains parce qu'elle s'est cassé le bras l'année dernière. Donc le fait de faire ça, ça lui fait un petit peu de rééducation. Donc celui-ci, je le fais avec ma grand-mère. Et il y a aussi une copine de ma grand-mère qui est venue et qui avait commencé ça. Pendant que moi, j'étais en train de faire ça, on a fait, mercredi, on a fait club. Ça me fait rire. Parce qu'en fait, ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'être au club des mamies. On était toutes les trois en train de tricoter et à me montrer un petit peu ce qu'elle faisait, etc. Alors, ça ne me dérange pas du tout hein, d'être avec des personnes âgées. Moi, ça me plaît beaucoup. Et alors, par contre, c'est bien quand même si vous connaissez quelqu'un parce que, par exemple, quand je perds des mailles ou quoi, des fois, je panique. Et donc, je vais vite voir ma grand-mère et je lui dis « Oui, comment je fais pour la rattraper ?» Donc, maintenant, j'ai compris, en fait, comment la rattraper avec un petit crochet. Vous allez de maille en maille. Hein. Tapez sur Internet, il y a des vidéos, vous inquiétez pas. Mais au début, c'est vrai que quand on perd une maille, c'est un peu paniquant. Mais franchement, persévérez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre et vous allez y arriver. Voilà. Quelle autre erreur j'ai pu faire ? Pensez bien, en fait, quand vous tricotez, à pas mettre trop au bout parce que sinon, vous risquez de faire tomber des mailles sans faire exprès. Ça m'arrive souvent de faire tomber des mailles encore. J'ai du mal.